On nous demande de déterminer les températures T1 et T2 dans ce diagramme des phases de l'eau. En ce point-là, la glace devient liquide. Nous savons que sous la pression atmosphérique, la glace fond à la température de 0 degré Celsius. Donc, le petit T1 vaut 0 degré Celsius et par conséquent, le grand T1 vaut 273 Kelvin. En ce point-là, l'eau vaporise, c'est-à-dire le liquide devient gaz. Nous savons que, sous la pression atmosphérique habituelle, la température de vaporisation de l'eau est de 100 degrés Celsius. Donc, le petit T2 vaut 100 degrés Celsius et par conséquent, le grand T2 doit être égal à 373 Kelvin.